Je suis enquêtrice au bureau du procureur. Quand on ment, quand on fait du mal aux gens, on nous sanctionne. Vous avez déjà poursuivi une boîte aussi énorme que Purdue Pharma ? Le comportement humain a deux composantes que l'on peut considérer comme essentielles. Fuir la douleur à tout prix et aller vers le plaisir. Douleur, plaisir. Douleur, plaisir. Mais si on se positionne juste à cet endroit, pile entre la douleur et le plaisir, l'argent ne sera plus jamais un problème. La douleur n'est plus quelque chose que l'on doit tolérer. Nous avons une réponse à la douleur. Comment un médicament prescrit de manière légale pouvait-il tuer autant de monde ? Donnez-moi les mots que vous associez à l'oxycodone. L'oxy-quoi ? Les oxycadavres. Je vous demande pardon ? Ne mettez pas ça dans vos notes. Nous faisons l'objet d'investigations. Vous pouvez me dire tout ce que vous savez sur l'oxycontin. Vous aimez les films d'horreur ? Vous tous, vous devrez faire autre chose. Convaincre les médecins de prendre la douleur au sérieux. L'oxycontin, une fois qu'on l'a commencé, il faut le garder. Plus vous le prescrirez et plus vous aiderez les patients. C'est désormais la marque d'opioïdes numéro 1 dans tout le pays. Cette drogue s'infiltre dans les moindres recoins de notre communauté. Vous êtes la plus jolie minette vendeuse d'oxycontin qu'on ait vue dans mon cabinet. Si le traitement marche... À l'évidence, ça marche. On peut augmenter le dosage, je vais vous passer à 40 mg. Ça ne tue pas seulement des individus. Ça détruit les familles. Les amis. Vous n'êtes qu'une dealeuse avec une queue de cheval. Vous avez acheté votre voiture grâce à la mort d'une fille de 16 ans. Ces filles-là sont exactement pareilles que n'importe quel dealer de crack aux États-Unis. À part qu'elles, on les récompense. Il a super mal et il est accro, Médoc, et c'est de ta faute. Ils savent qu'ils tuent des gens par milliers. Richard Sackler, oui. Vous... Mes félicitations pour l'argent gagné, monsieur. Merci. Si vous ne vous poussez pas, je vais vous renverser avec ma voiture et écrabouiller votre putain de crâne. Et vous me filerez de l'oxycontin pour que j'aie moins mal.